Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Nero Servlet. Alors cette fois c'est pour l'épisode 1 de ma nouvelle série sur les astuces XP. Parce que qui dit Kama dit XP et qui dit XP dit Kama. Donc, vous verrez aussi que c'est plus facile de trouver des bonnes astuces XP pour les non-abonnés comme pour les abonnés, plutôt que des astuces Kama pour les non-abonnés et les abonnés. Donc je commence tout de suite, donc sachez que pour cet épisode, je vais vous montrer et vous expliquer deux astuces Kama. Parce qu'une est plutôt pour les abonnés et l'autre est plutôt pour les non-abonnés. Aussi pour les abonnés, bien sûr. Donc, je vais commencer avec une astuce très simple. Et ça, c'est l'astuce non-abonné. Donc, c'est l'almanax. Sachez que c'est une espèce de quête, en fait. Et que cette espèce de quête vous rapporte environ 400 000 XP par jour. Par jour, parce que c'est une quête que vous pouvez faire au sanctuaire de l'almanax une fois par jour. Voilà. Et donc, sachez aussi qu'il faut un minimum de Kama, mais quand je dis minimum, c'est vraiment minimum. Hein. Donc, vous allez au sanctuaire de l'almanax. Vous parlez à un certain Théodoran Axe. Voilà, un espèce de vieux fou avec une barrette dans les cheveux. Vous lui dites. Il vous dit en fait. Si vous connaissez le mérite du jour, vous lui répondez automatiquement le nom du mérite du jour. Et après, il vous dit ouais, il vous dit que pour satisfaire ce mérite, il vous faut une offrande. Donc, l'offrande peut varier. Donc, c'est souvent des choses assez coûteuses, mais c'est en général 8000 kama l'offrande. Donc, bon, pour des bourges comme moi qui ont 8 millions, c'est pas beaucoup. Après, pour des non-abonnés, des niveaux 20, ça peut être une somme. Mais au niveau 20, 400 000 XP, ça vous remplit plus qu'un level. Bon voilà, le jeu en vaut la chandelle. Et c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Ça va très vite, ça va 2 minutes maximum, le temps d'aller prier, de revenir, de reparler au vieux fou et c'est bon. Et sachez aussi que ça donne un minimum de Kama. Ça donne entre 5000 et 50 000 Kama. En plus de 400 000 XP. Donc généralement ça vous rembourse largement l'offrande. Et ça c'est pas mal. Ça vous pouvez faire chaque jour avec un minimum de Kama pour acheter une offrande. Donc il y a beaucoup de marchands qui proposent l'offrande du jour pas très cher. Ça c'est l'astuce en fait pour les non-abonnés. Enfin aussi pour les abonnés, mais les non-abonnés rameront un peu plus dans la deuxième astuce que je vais vous présenter. Parce que ce sera aussi basé sur des déplacements. Les déplacements à droite à gauche d'une île, donc voilà, c'est pour certaines îles en fait il faudrait être abonné, bon pas tous, et c'est pour ça que ça s'adresse aux abonnés comme aux non-abonnés, mais j'ai quand même préféré vous parler de l'almanax pour les non-abonnés, parce que moi personnellement il y a une semaine on me disait almanax, moi je voyais ça, je voyais éphémérite de Mandelia, bon bah il y a le bonus du jour. Il y a l'almanax pour gagner le célèbre Dauphanax, non pas le Dauphanax. Attendez que je retrouve ça pour ne pas mourir idiot. Dolmanax, voilà, excusez-moi. Dolmanax, on me disait almanax, je croyais ça, mais non, en fait, vous pouvez. Faire une quête chaque jour, donc comme je vous expliquais, avec Théodoran Axe, qui vous apporte non seulement pas mal de Kama, mais aussi beaucoup d'XP. Donc du coup, je vais tous les jours aller faire mon offrande et gagner beaucoup d'XP. Donc j'XP comme un canigrou depuis une semaine environ, depuis qu'un pote m'en a parlé. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc là, ce sera plutôt pour les abonnés, mais pour les non-abonnés pour aussi... Pour aussi faire ça en fait. Donc les quêtes. Ouais, je vous dis quêtes. Je dois vous deviner vos têtes. Ouais, c'est des quêtes. C'est vraiment. C'est plutôt des. Plutôt pour connaître le jeu. Vous gagnez 52 Kama. Enfin, c'est pour les débutants, mais non, pas du tout. Pas du tout. Prenez ici anti-royaliste. Vous découvrez la salle du Royal Mood. Vous battez un Royal Mood. Vous allez parler à un gars et boum! 900 000 XP, plus 40 000 Kama. Ça, c'est plutôt pour les HL, parce qu'il faut ou alors des petits nobles Papano Sasa pour aller trouver un groupe. Mais ça vous rapporte quand même, regardez un peu l'XP. Et aussi, il y a des quêtes qui s'adressent à tous, genre full contact.
Vous parlez à un Vaga, vous avez déjà 450 000 Kama, vous avez bon, là, les 450 000 XP, pardon, et bon, les Kama, c'est secondaire pour l'instant parce qu'on est dans une Asus XP. L'éternel moisson, ça c'est pour le Dofus Ocre. L'année du dragon, c'est pour l'Almanax. Vous avez aussi passé la 7ème compagnie. Donc là, faut juste finir le laboratoire de Brumen, le donjon. Et ça vous rapporte 660 000 XP. Ça aussi, c'est pas mal. Après, ça c'est plutôt pour les HL. Maintenant, pour les BL, enfin pour les bas level, vous avez plein de trucs en fait. Si je retrouve. C'était pas Carnam, c'est Château d'Amakna. En fait, vous ramenez Vatsa Gragovin de conservé au Château d'Amakna, qui est une zone non abonnée, donc ça s'adresse aussi pour les abonnés. Pour les non abonnés, il faut juste avoir Vatsa Gragovin de conservé. Et vous avez déjà 120 000 XP. C'est quelque chose de rapide, pas très coûteux. Après, vous avez le chevalier noir et rose. Ça, c'est plutôt automatique. Ça rapporte aussi pas mal. Mais bon, ça, c'est plutôt HL. Après, des trucs aussi qui rapportent beaucoup. Mais c'est plutôt HL. Alors, vous avez plein, 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 plein de quêtes. En fait, tu rapportes. Regarde, vous ramenez 3 bières d'Amakna, mec. Vous avez déjà 140 000 XP. C'est très vite fait. C'est peu coûteux. Et ça peut être aussi bien abonné comme non abonné. Donc ça, c'est très bien. Donc, voilà pour les quêtes. Parce que moi, on me disait quêtes il n'y a pas longtemps. Parce que oui, il s'est passé beaucoup de choses il n'y a pas longtemps. On me disait quêtes, donc. Et donc, moi, je voyais plutôt des petites missions de Kikou pour découvrir le jeu, pour avoir des renseignements. Et non, en fait, il y en a vraiment des qui rapportent des Kama, en l'occurrence. Mais aussi beaucoup d'XP. Et c'est vraiment beaucoup d'XP pour pas grand-chose en fait. Et ça je savais pas. Et du coup maintenant j'XP plus qu'aux quêtes et à l'autre au succès. Au succès qu'on va d'ailleurs voir maintenant parce que c'est aussi ce que je voulais vous montrer. Donc voilà pour les abonnés. Donc vous avez les quêtes et les succès. Bon c'est aussi pour les non-abonnés mais comme je vous l'ai dit les quêtes faut souvent courir à droite à gauche. Et il peut y avoir des espaces non abonnés, en mode abonné, comme les succès. Vous devrez faire des donjons, des monstres de l'exploration. Ça, c'est un peu la même chose que les quêtes. Du point de vue abonné ou non abonné, faudra aller un peu partout. Voilà, donc, si vous n'êtes pas abonné, ça vous fermera quelques portes, mais rien de très grave. Donc, j'ai fait en fait deux catégories. Donc, l'almanax qui est principalement, enfin, qui est totalement pour les non abonnés comme pour les abonnés. Et maintenant, les quêtes et les succès, qui sont plutôt pour les abonnés, mais bien sûr les non-abonnés, vous pouvez les faire. Donc les quêtes, on a déjà vu. Maintenant, les succès. Les succès, il y a une semaine, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans une semaine. On me disait succès, moi je disais, ouais, point de succès, ornement, donc ça servait pas vraiment à grand-chose, parce que moi j'étais plutôt axé Kama et XP. Tandis qu'en fait, non, ce que je savais pas, c'est que... Je savais que ça rapportait un petit peu d'XP peut-être quand on réussissait, un petit peu de Kama. Mais je savais pas que ça rapportait autant. Regardez là, vous faites 10 challenges. 10 challenges contre des doppels. Bon, vous gagnez 10 challenges contre chaque doppel. Et là, ça vous donne un ornement, ce qui est fort cool. Des doplons, donc ça on a vu pour l'astuce Kama. Deux, les doplons qui servent beaucoup. 742 000 XP. Bon, faut le faire, vous allez me dire, c'est vrai. Mais regardez plutôt Pandala. Succès monstre, Pandala, donc les Pantalas qui sont. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose, hein, c'est pas très dur, si vous voulez. Donc, vous faites les succès monstres, donc c'est en réussissant un challenge contre les monstres du genre Pantalas sur l'île Pandala. Donc moi il me manque encore le Bambuto Sacré qui est un vrai roxeur de ouf. Et le Bulbig. Donc le gardien de donjon de la caverne des bulbes. Donc pourquoi je n'ai pas fait ça? Tout simplement parce que le Bambuto Sacré j'ai essayé, je me suis fait défoncer. Et le Bulbig, j'ai simplement la flemme d'aller dans le donjon et de refaire. Ouais, tout simplement de refaire tout le trajet pour arriver au boss et réussir un challenge. Les Kitsu, ça c'est déjà plus abordable.
Donc moi, il manque juste le Kitsune-feu que je n'ai jamais vraiment essayé, mais voilà, ça rapporte une tonne d'XP. Les Podisan, bon, bah ça, c'est pas pour moi parce que voilà, c'est super fort, mais voilà, peut-être pour vous. Voilà, il y a plein de trucs. Fantôme de Grog, etc. L'île de Moon, ça c'est déjà accessible au BL. Donc Tortue Bleue et tout, vous faites un challenge et vous avez. Bon, ça c'est pas énorme. Voilà, par contre là c'est pas mal. Vous faites ça en vitesse. Bon, moi il manque plus que le Moon Tower parce que je déteste l'île de Moon, donc je n'y remettrai jamais les pieds. Vous avez déjà 120 000 Kamas. Ça, bon, une période de Moon. Vous allez dans le bateau pirate de Moon que je ne vais pas localiser sur la carte. Vous battez 3 monstres aussi sur un challenge. Généralement, c'est un groupe de monstres. Vous avez déjà 300 000 XP. Le Caniboule, bah, vous faites le donjon. Vous faites le donjon, voilà. Et donc, ça vous rapporte 300 000 XP. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Bon, là, je parle des monstres pour un peu les Roxor. Mais là, vous avez aussi des succès exploration. Donc, regardez. Île de Sakai. Alors, là, Saga, il y a trois cartes. Vraiment très, très, très proches l'une de l'autre. Et ça vous fait. Moi, je l'ai fait en 2 minutes, même pas. 370 000 XP. Il y a ça. Mais il y a aussi l'île du Minotaure. Là, il y a deux cartes. Ça vous prend même pas 1 minute pour tout découvrir, vraiment. Pareil, 370 000 XP. Donc ça c'est vraiment très rapide et ça rapporte vraiment beaucoup, plus que Frigos. Voilà, plus que Frigos si vous grouillez un peu. Donc après on a les donjons quoi. Exploration ça c'est plutôt pour ceux qui n'aiment pas trop les combats. Un campement des gobelins, voilà. Après vous avez les succès. Bon là ça rapporte pas beaucoup, mais si vous faites tout ça rapporte 340 000 Kama. Bon bah, 340 000 XP, je vous gagne toujours. Vous réussissez genre ça, bon, forêt des Abrakhnides, il manque pas beaucoup en fait pour tout finir ses succès. Mais voilà, j'ai un peu la flemme de faire ça et ces derniers temps, je fais plutôt l'exploration. Voilà, chemin vers Moon, vous parcourez en fait l'île de Moon et assez rapidement. Et ça fait 370 000 XP, donc vraiment, vous avez aussi des îles non abonnées, je crois que le Minotaur ce n'est pas une île abonnée. Enfin bref, vous avez plein de succès abonnés, bien sûr, enfin vous avez plein de succès en général. Et vous avez aussi pas mal de succès pour les non-abonnés, que ce soit exploration ou monstre d'Amakna, pont des champs, etc. Vous avez plein de trucs comme ça. Donc c'est aussi bien pour les non-abonnés que pour les abonnés, même si les abonnés ont bien sûr l'accès partout, donc c'est un peu plus avantageux pour certains succès. Mais les non-abonnés peuvent aussi y trouver leur bonheur très facilement. Donc voilà, moi j'explique plus qu'à ça maintenant, aux quêtes et au succès. Bah juste bah voilà pour vous le prouver, bah regardez juste mes points de succès. Bon, sur 9237 c'est pas beaucoup, mais je viens de m'y mettre. Et ça explique vraiment bien. La dernière fois que j'ai filmé, ça devait être il y a 3-4 jours. Et je suis monté pas mal de niveaux là, niveau 92, bientôt 93. Grâce à quête. Aux quêtes, au succès et à l'almanach que je fais chaque jour. Parce que c'est vraiment une très grande source d'XP. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc les mots-clés de cette astuce XP, c'est l'almanach, c'est les quêtes et les succès. Voilà, donc ça c'est en résumé. Vous devez faire des quêtes, aller à l'almanach chaque jour. Et vous faites les succès quand il n'y a plus de quêtes, ou inversement, quand il n'y a plus trop de succès à votre portée, vous faites les quêtes. Des quêtes, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, cette astuce XP est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Bientôt l'épisode 2 et bientôt l'épisode 4 de mon astuce Kama, l'épisode 4 de ma série Hunger Games du côté Minecraft. Et au niveau 100, donc là je vais y mettre à XP très très fort et très très vite. Donc, dans très bientôt, il y aura l'épisode 1 de ma série sur le Colosseum, mais ce sera le début d'une longue série, comme les astuces Kama, comme les astuces XP, et comme la série sur les Hunger Games, et bien sûr le Nerushis Time 3 qui viendra aussi très rapidement parce que j'ai franchi le cap des 25 abonnés. Donc voilà, je vous invite comme toujours à vous abonner, à aimer mes vidéos, à les partager sur vos réseaux sociaux, ou alors tout simplement en parler à vos amis. Voilà, j'espère que cette astuce XP vous aura aidé.
Donc portez-vous bien. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.